Alors, bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce mardi 5 mai, qui n'a pas l'air d'un 5 mai, c'est un peu froid ici, hein, en Sainte-Marthe-sur-le-Lac, 2020, 16h-13h du Québec, c'est froid, puis on s'attend à avoir du froid jusqu'à peut-être la mi-mai et un petit peu plus loin autour du 20 mai. Donc on est dans une période vraiment, vraiment, vraiment inhabituelle. Il va falloir s'habituer à l'inhabituel, c'est ça dans le fond. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez du temps pour vous, ça c'est important. Moi aujourd'hui, juste pour vous raconter ça vite vite, j'ai commencé avec une séance de yoga à 9h30. Yoga fitness, c'était vraiment extraordinaire, un peu exigeant. Après ça, je suis allé me taper 5 km, là je suis rendu à 5 km de jogging en 31 ou 32 minutes. Donc je suis pas mal content. Donc il faut se garder en forme et surtout en santé. Donc, pour un petit vieux de 58 ans, je me trouve pas mal en forme. Je pense que j'ai même jamais été aussi en forme. Puis après ça, j'ai fait deux, trois petites affaires. Je suis allé avec la bonne femme me promener un peu partout. Elle voulait aller acheter deux, trois petites affaires pour passer le temps. Je suis revenu, puis on a fait une autre classe de yoga, mais celle-là, plus d'étirement. Donc, c'était pas vraiment exigeant. Puis j'en ai une autre ce soir à 7 heures. Donc, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Parce que c'est important, le yoga. Le yoga, c'est une base pour la vie, c'est une structure. Ça te permet d'avoir une structure formidable, non religieuse, spirituelle, si tu le veux. Moi, j'avoue que je mélange la spiritualité avec ça. Et pour moi, c'est extraordinaire. C'est quelque chose de révolutionnaire dans ma vie. Puis le yoga te permet d'avoir une base dans la vie, une structure, que la plupart d'entre nous, on n'a pas. Parce que le monde moderne nous a enlevé ça. Parce qu'il y avait des structures avant dans les vies des autres qui nous ont précédés. Mais nous autres, on n'a pas de structure. Mais le yoga, c'est vraiment une structure universelle parce que ça fait appel à aucune religion. C'est extraordinaire. Puis honnêtement, quand tu as une structure dans la vie, c'est là où tu peux vraiment commencer à te voir, t'analyser, puis à peut-être réaliser tous tes désirs qui sont là dans ta conscience, mais qui n'ont jamais abouti à rien, parce qu'on n'a pas de structure. C'est une structure vraiment solide. Puis si tu passes une trentaine d'heures à être concentré sur ta structure, puis à la consolider, après ça, dans ta vie, ben, je peux te dire une chose, que ça commence à se placer. Puis tu commences à voir clair, mais vraiment clair. C'est extraordinaire. Et un qui m'a inspiré beaucoup, c'est Sadhguru. Sadhguru que vous connaissez sûrement. Et qui le dit, lui? C'est le système yogastique, le yoga, c'est une structure que tu as pour te positionner dans la vie. Une base. Parce que la plupart d'entre nous, on n'en a pas de base. Et c'est pour ça que nos vies vont nulle part. Honnêtement, j'ai 58 ans, j'ai été, disons, 50, 40 ans, 42, 43 ans à aller nulle part dans la vie parce que je n'avais pas de base. Plus jeune, mes parents, hein, pour des raisons X, Y, Z, m'ont laissé faire tout ce que je voulais. Donc, j'ai entrepris plein de choses sans finir une seule de ces choses jamais. Pas de mauvaise personne que j'étais, mais je commence la guitare une semaine, ça ne me tente plus, j'arrête la guitare. Je commence le piano, j'arrête le piano. Je commence le football, Non-stop. Si je m'étais concentré sur une chose pour la finir, j'aurais été un expert dans cette chose-là. Si tu consacres 30 heures de ta vie par semaine, c'est pas beaucoup, à une structure, à te donner une structure pour faire de ta vie une réussite, c'est pas extraordinaire, ça? Puis une réussite, c'est pas nécessairement financier ou de carrière ou non, c'est que toi, tu es en accord, en l'harmonie avec ta vie et avec toi-même. Puis tu n'es pas frustré 24 heures sur 24 de ta condition. Ça te permet de... Il ne faut pas oublier que nous autres, on respire l'air que les arbres respirent, puis on expire le même air que les arbres expirent aussi. Que toute la nature, que tout l'univers est interconnecté et qu'on ne fait qu'une. Et que toi, tu fais partie de ça et que l'univers fait partie de toi. C'est ça que le yoga t'apprend aussi. Et ça, c'est fantastique. Et c'est ça qu'il explique très bien, Sadhguru. Puis je l'écoute souvent. Puis c'est toujours la même vidéo que j'écoute parce que
c'est vraiment motivant. Puis c'est vraiment quand tu écoutes toujours la même chose plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, tu découvres d'autres choses dans ces paroles-là. C'est un être extraordinairement sage. Et qui dit que tout le monde veut améliorer sa vie. Dans le fond, tout le monde veut améliorer sa vie. Sauf que si on n'a pas de base, notre intelligence, parce qu'on a une intelligence incroyable. L'être humain, on a une capacité, on a notre âme, notre intelligence est incroyable. Mais que si on n'a pas une base solide, cette intelligence-là joue contre nous. Et c'est vrai, moi, cette intelligence-là m'a joué des tours toute ma vie. Frustré, enragé. J'ai eu toutes sortes d'aventures, mésaventures, parce que j'avais pas de base. J'ai erré comme un sans-abri. Hein? Comme ce métèque errant de Georges Moustaki. Puis la plupart d'entre nous, on est comme ça parce que tous nos parents sont pareils. Puis ils nous ont tous laissé faire ce qu'on voulait, pour la plupart. Sauf ceux qui ont été privilégiés, qui ont eu des parents qui savaient qu'une base était importante. Donc on a perdu toutes nos vies, puis il y en a. Moi, jusqu'à il n'y a pas longtemps, je continuais à perdre ma vie, là. À critiquer, à chialer, à pointer tout le monde du doigt, puis à être frustré tout le temps parce que j'avais pas de base dans la vie. Puis c'est pas de changer d'un gouvernement qui te donne une base puis qui te satisfait. On change de gouvernement continuellement puis on est continuellement satisfait. C'est incroyable. C'est pas là la solution. C'est en toi. Trouve-toi une base, comme Sadhguru l'a dit. Et là, cette base-là, c'est le yoga. Tu vas vraiment l'apprécier. Puis tu vas vraiment comprendre ce qui se passe. Puis tu vas vraiment comprendre que c'est toi le problème. Puis que le succès de ta vie, ça ne se mesure pas à l'argent ou à la notoriété. Tu peux faire ça aussi si tu veux. Moi, je n'ai rien contre ça. Puis même lui, il n'a rien contre ça. Mais au moins, ça va te donner l'équilibre que tu dois avoir avec l'univers, ton environnement. Ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis. Parce que quand tu n'as pas cet équilibre-là en toi, tu deviens quelqu'un de détestable, d'invivable. Puis on est tous comme ça. Puis on est tous impatients, on est tous intolérants, on est tous ceci, on est tous cela. Parce qu'on n'a pas de base dans la vie. C'est ça le yoga. Et ça m'a pris 58 ans. Puis déjà, je voyais des gens qui pratiquaient du yoga quand j'étais plus jeune, mais je ne suis pas allé dans cette direction-là. Il n'y a jamais trop de temps. Tout ce qui t'arrive, t'arrive quand ça doit t'arriver. Ça, j'y crois aussi. Mais il faut que tu fasses des efforts pour que tu veuilles que quelque chose t'arrive. Moi, j'ai toujours voulu atteindre ce que je suis maintenant. C'est-à-dire d'être quelqu'un de droit, juste, gentil, tolérant, généreux, accueillant. J'ai toujours voulu être ça. Mais on l'est tous, ça. Mais la vie, parce qu'on n'a pas de structure, le gouvernement, la société nous amène dans d'autres directions parce qu'on ne veut pas que tu sois à tes affaires. On ne veut surtout pas que tu aies une base solide puis que tu te réalises et que tu t'harmonises. Parce que ce système-là va tomber. Comment tu peux faire tomber le système? C'est si tu te donnes une base puis tu t'harmonises avec toi-même. Eux autres, ils disparaissent du jour au lendemain. Ça va être comme une marée qui emporte tout. Mais ça, c'est utopique, ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive à un individu, à un autre individu, moi, ça m'est arrivé, peut-être qu'en m'écoutant et en écoutant d'autres, ça va vous arriver, ça va vous inspirer. Parce qu'il faut que tu sois en harmonie avec toi-même. Il faut que tu sois, c'est la moindre des choses que dans la vie, on soit capable d'être heureux puis qu'on se détache de toute cette bullshit-là extérieure qui n'a rien à voir avec notre équilibre puis notre harmonie puis notre bonheur. Ça, c'est toutes des pertes de temps, de la distraction parce qu'on veut te sortir de l'essentiel parce qu'on ne veut pas que tu sois en harmonie avec toi-même. Parce que quand tu es en harmonie avec toi-même, tu n'es pas payant pour eux autres. Parce que si tu es en harmonie avec toi-même, tu vas te détacher de plein de choses qui fait que ces gens-là vont s'appauvrir énormément, ils vont perdre leur pouvoir. Donc, c'est important, c'est ça que Sadhguru m'a appris en l'écoutant. Que le yoga, c'est une base. Parce que tout le monde veut améliorer sa vie. Celui qui fait du yoga veut améliorer sa vie. Celui qui s'en va à l'église, à la mosquée, veut améliorer sa vie. Celui qui s'en va au bar, aussi, ça veut améliorer sa vie. Celui qui s'en va au pute ou chez son dealer veut améliorer sa vie. C'est juste qu'on ne prend pas les bons moyens pour y arriver. Quelqu'un qui s'en va au bar, ce n'est pas pour détériorer sa vie. Il pense qu'il va en allant au bar puis en buvant un coup, il va améliorer sa vie. Il va améliorer son état. Celui qui s'en va à l'église, celui qui s'en va à la mosquée, à la synagogue, c'est la même chose. C'est juste que tu fais jouer ton intelligence contre toi. Tu ne te rends pas service. C'est comme l'exemple qu'il donne avec la sauterelle. Est-ce que tu améliores la vie de la sauterelle en lui coupant une patte qui lui permet de sauter,
qui est son récent, si tu y coupes une patte à la sauterelle, est-ce que tu as amélioré sa vie? Puis son sort, non. Est-ce que toi, en allant au bar, tu améliores ta vie? Non, parce que tu viens altérer tes facultés et que tu as besoin de tes facultés, nous dit Sadhguru. De toutes tes facultés, parce que tu as plein de facultés, tu as plein de possibilités, mais tu ne peux pas améliorer ta vie en altérant tes facultés. Même chose pour la drogue. Tu ne peux pas altérer ta vie en affectant tes facultés. Tu as besoin de toutes tes facultés. Toutes tes possibilités sont là, dans tes facultés. Intactes. Mais celui qui fait ça, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas conscience, qui ne se rend pas service. Lui, il pense qu'il va améliorer son sort. Quand tu fumes un joint, c'est parce que tu veux améliorer ton état. C'est pas parce que tu veux le détériorer. Quand tu vas prendre un verre, puis moi comme moi, je buvais 2 bouteilles de vin par jour, à tous les jours, pendant 30 ans. Fais le calcul. Ça, c'est le minimum. C'était 1 bouteille de blanc, 1 bouteille de rouge, après le travail. Puis si j'étais avec des amis, bien là, on va dire une chose. C'était de la bière, du gin tonic, des vodkas, des Bloody Caesar, puis les bouteilles de vin, pas 2, pas 3, des fois 4-5. Plus les digestifs. Puis tu pensais améliorer ta vie en faisant ça, mais j'ai fait du surplace, j'ai gaspillé du temps incroyable. Mais je fonctionnais comme un robot, comme un légume. J'allais travailler le lendemain. Puis là, je revenais le soir, puis tombais dans le même panneau. Ah, oh, je voulais faire plein de choses, mais tu ne peux rien faire parce que tu as altéré tes facultés. C'est comme la sauterelle à qui tu as coupé une patte qui lui permet de sauter. Une fois que tu lui as coupé la patte, elle ne peut plus sauter, la pauvre sauterelle. Tu comprends? Donc, c'est ça qui nous explique, Sadhguru. On veut tous améliorer nos vies, mais on n'a pas les bons moyens pour le faire. Et c'est ça qui est important de comprendre. Il faut qu'on aide les gens à trouver les bons moyens. Puis le yoga, franchement, moi, je trouve que c'est un moyen vraiment, vraiment universel. Puis ça m'a permis d'ouvrir toutes les portes, les possibilités, puis de voir l'invisible, puis de rendre l'invisible possible. Parce que c'est ça que ça te permet aussi. C'est un système incroyable, puis ça te permet de réaliser que tu étais la source de ton malheur. Puis c'est pas normal, puis tu ne mérites pas d'être malheureux toute ta vie, voyons. Pour de la politique, pour des politiques, pour des lois, pour des règlements, pour des impôts, il y en aura toujours. Puis il n'y a personne qui va venir les éliminer, les impôts, puis les lois, puis les règlements. Ils vont toujours en mettre plus. Donc, ça te donne quoi de te préoccuper de ça? Ça, c'est... C'est irrelevant, comme on dit en anglais. C'est sans importance. C'est superficiel. Parce que ça va toujours être là. C'est comme l'air que tu respires, il va toujours être là. Donc, ça te donne quoi de casser la tête avec la respiration? Il faut que tu respires. Ça se fait naturellement. Les impôts, les taxes, les gouvernements, les politiques, puis tu ne seras jamais satisfait de toute façon. Donc, pourquoi t'occuper de ça? Pourquoi te préoccuper de quelque chose qui ne te satisfera jamais? C'est vraiment masochiste quand tu y penses. C'est comme si tu allais dans un restaurant où tu es maltraité, puis qu'on te fait manger de la bouffe exécrable, mais tu y retournes à chaque fois. À chaque jour, tu y retournes. Puis tu te plains, puis tu te plains. Mais tu te plains à tout le monde, mais le lendemain, tu es encore là. Puis tu te replains. Puis le lendemain, tu es encore là. Pourquoi te préoccuper de la politique? Quand la politique est là juste pour te rendre, justement, insatisfait, grogneux. Occupe-toi-en plus, parce qu'ils ne te rendront jamais satisfait. Parce que tu ne l'as jamais été, puis tu ne le seras jamais. Parce qu'ils ne sont pas là pour te satisfaire. Eux autres, ils sont là pour se satisfaire, te garder dans l'ignorance, sans base, sans structure, à leur service, perdu au bar, perdu avec la drogue, perdu avec les putes, perdu partout. Et c'est ça l'enseignement de Sadhguru et qui m'a vraiment, vraiment, qui est venu vraiment me réveiller. Et depuis ce temps-là, ma vie change, ma vie a changé. Puis le monde autour de moi le voit, mes enfants sont calmes, alors qu'avant, ils étaient toujours, c'est sûr, sur une tension incroyable. Imagine ton père qui est toujours en train de boire le soir, puis en train de chialer contre tout, de démolir tout, d'être négatif contre tout. Parce que c'est ça le modèle que j'ai appris, puis le modèle dans lequel j'ai grandi, puis que j'ai évolué. Parce que je n'avais pas de structure. Puis personne n'est là pour te donner la structure, sauf des gens comme ça que tu vas découvrir sur ton chemin. Puis qu'il faut que tu sois ouvert aussi à vouloir les écouter. Ça se peut que tu te bouches les oreilles. Mais c'est ton droit aussi. Mais je voulais te partager ça. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Puis une trentaine d'heures, c'est rien dans ta vie vaut plus que ça, non? Ça vaut... Est-ce que ta vie vaut un investissement d'une trentaine d'heures? Puis tu as toujours des gens, comme Sadhguru disait, aussi racontait dans cette... je vous laisserai le lien de ça parce que c'est vraiment bon. Puis comme je vous l'ai tout résumé, vous n'aurez même pas besoin de comprendre l'anglais.
Il dit, les gens m'appellent Sadhguru, Sadhguru, donne-moi un mantra, donne-moi un truc, donne-moi... La vie, c'est pas un truc, c'est pas un mantra. Ils veulent tout régler en une minute ou deux. Ta vie vaut plus qu'un mantra. Est-ce que tu penses que ta vie a plus de valeur qu'un mantra ou un truc bidon? Es-tu capable, comme dit Sadhguru, d'investir une trentaine d'heures de focus time, de concentration sur ta base, sur ta structure? Puis tu vas avoir toutes les possibilités après ça qui vont s'ouvrir à toi. Je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est important. Puis vous le méritez parce que le monde va changer, il faut que tu changes. Puis tu ne peux pas changer le monde sans que toi tu changes. Puis si tu fais ça, peu importe ce qui va arriver, quel système tu auras, quelle catastrophe, peu importe la situation qui se présentera devant toi, tu vas toujours être en harmonie et heureux parce que tu auras ta structure, tu auras ta base solide. Puis tu sais que tout est, de toute façon, temporaire. Toute situation inconfortable, de malheur ou de misère, c'est juste temporaire. Il ne faut pas que tu t'en fasses avec ça. Tu as une base une solide, une structure solide. Puis que tout va bien aller quand tu es dans ou sur, assis sur ta base, ta structure. Je vous reviens, je vous laisse le lien de cette entrevue-là avec, ou de ce, pas une entrevue, mais c'est une entrevue, mais qui est présentée de façon vraiment intéressante avec une belle musique. C'est inspirant. C'est des paroles extraordinaires. Donc, je vais vous laisser ça. Puis, il ne faut pas oublier en terminant que, comme le dit Sadhguru aussi, d'altérer ses facultés, c'est vraiment, vraiment la dernière chose à faire. Et c'est à faire jamais, jamais, à jamais faire. Hein? Et que 70% de la population mondiale vit sur une prescription médicale quelconque. Que l'air qu'on respire est chimique, que l'eau qu'on boit est chimique, que la bouffe qu'on mange est chimique et que tout est chimique. Et qu'on est en train de créer des générations inférieures à celles qu'il y avait précédemment avec toutes ces ingestions de chimie. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment un homme extraordinaire. Donc, je vous laisse son lien de cette petite, de ce petit montage-là qui vraiment nous dit c'est quoi le yoga. C'est ta connexion et c'est de réaliser que toi, tu fais partie de l'ensemble et que l'ensemble fait partie de toi. Que tu respires le même air que les arbres. Respire. C'est extraordinaire. Je vous reviens.